Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et voilà, comme prévu, je vous présente, je crois que c'est My Little Box. J'ai enlevé en fait juste le papier et je ne l'ai pas encore ouvert, donc vous voyez bien. Et j'ai oublié de regarder, mais je pense que c'est My Little Box que j'ai vu. Donc, pas plus tarder et on va découvrir. En fait, parce qu'elle était en plus en retard, donc du coup, voilà. Effectivement, c'est My Little Box. Donc, je la trouve vraiment très très mignonne ce mois-ci. J'ai vu quelques photos, mais bon, je me suis dit, bon, je vais arrêter de regarder. Hein. Donc, ce mois-ci, c'est No Filter, s'il vous plaît. Donc, en collaboration avec Sephora, bien sûr. Et je la trouve vraiment très 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 jolie. C'est une bonne idée. Donc, voilà, comme ça, moi, je peux le porter en fait en vacances. Donc, on va regarder sans plus tarder. Et oui, alors, donc, je vais tout sortir, comme ça. Donc, voilà, donc la pochette, ça se présente comme ceci, elle est transparente. Il y a, en fait, vous pouvez enlever ceci. Non, en fait, il y a marqué non filtre. Je pensais qu'on peut enlever, mais en fait, non. Mais je la trouve quand même assez jolie. Donc, il y a une petite carte. Il y a marqué « You were born to be real, not to be perfect ». Donc, je le trouve vraiment très, très mignon et je pense que je vais l'encadrer. Donc, si je ne me trompe pas, mon anglais de... voilà, de... pour pas dire autre chose. Tu n'es pas... Tu es né pour être réel, mais pas pour être parfait. De toute façon, voilà. Personne n'est parfait. Oh, je suis dégoûtée. J'ai vu un truc et moi, j'en ai pas. Franchement, je suis dégoûtée. Je me suis dit, je vais essayer. Bon, bref. Alors, tout d'abord, on a de la marque Sephora Masque aux yeux rose. Donc, c'est des masques en tissu. Je n'ai jamais essayé celle-ci, donc je suis très contente. Ensuite, on a la Selfie Brush, donc c'est une petite brosse, donc je la trouve vraiment très très douce. Il y a écrit My Little Box et c'est rose poudré et un rose gold ici, et franchement c'est très très bien. Et là j'essaie de voir, non, il n'y a pas de poils qui sort, donc pourquoi pas, et pour ramener en vacances. Donc ça fera une petite brosse en plus. Ensuite, de la marque Estée Lauder, on a une mini rouge sculptant. Donc je crois que le produit que j'ai vu, je ne sais pas ce que je vous ai vu toutes, c'était un produit de chez Bon Rien. Je me suis très contente, je vais pouvoir l'essayer, mais bon. Effectivement, apparemment, il n'y a pas tout le monde qui reçoit le même produit. Donc je suis un peu dessus, mais bon, bref. Donc c'est il fait 1,2 g. Alors, est-ce que c'est... Je regarde qu'est-ce qui a marqué, mais non, c'est juste un petit échantillon. Donc, ouais, je ne suis pas très fan, effectivement. Bon, ça me donnait en plus de, voilà, de connaître cette marque-là, parce que je ne la connais pas, mais bon. Je serais... Bon, je suis un peu dessus, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est bien pour mettre dans le petit sac à main. J'aime bien le packaging, par contre, il est vraiment très, très classe. Ensuite, de la marque My Little Beauty, c'est vernis toute nude. Donc, hop. Et ça se présente comme ceci. Ah, je la trouve vraiment jolie, franchement. Mais là, ça fait plusieurs fois que voilà, j'ai des nudes, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la même box, mais oui, pourquoi pas, c'est pas mal de tout. Ensuite, de la marque NARS, alors c'est le anti-cerne éclat texture crémeuse en teinte médium 1. Donc, je trouve vraiment très très bien. J'ai jamais sauté le pas de tester cette marque là, donc. Ça me donne l'occasion. Donc c'est un tout petit, je ne sais pas si vous voyez ma main, c'est tout petit. Et je vais vous dire combien de grammes il y en a. Si je le vois, 1,4 ml. Je la trouve vraiment très très bien. Bon, j'en ai plus le mien, mais je ne veux pas l'essayer. Je vais le prendre cet été en vacances quand je veux partir. Donc effectivement, voilà. Ensuite, la bague au doigt. Qu'est-ce que c'est?
je vais ouvrir comme je peux. Ah, ça colle partout. Ah oui, je vois. En fait, vous la levez et il faudra, voilà, le coller derrière la, le téléphone et vous pouvez le tenir pour mieux le tenir. Et je pense qu'aussi il fait, il marche pas ou quoi? Si, ah oui, il est quand même dur. Et je pense aussi que vous pouvez, voilà, mettre le téléphone comme ça et vous pouvez le regarder. Donc mieux le téléphone, oui, pourquoi pas. C'est un petit gadget, donc ça va. Alors, on a un petit carnet. Oui, ah oui, ah, j'avais pas vu. Alors, c'est un petit carnet, mais vous avez quand même quelques produits de la marque Sephora, bien sûr, parce que c'est en collaboration avec eux. Donc oui, pourquoi pas. Un gommage à lèvres miel. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et il y a des nouveautés. Il y a les lingettes de macan noix de coco. Ah, il y a crème exfoliant visage charbon. Franchement, il y a des trucs que je ne connais pas. Donc oui, pourquoi pas. Et après voilà, vous pouvez quand même le garder en carnet et ça fait un carnet de plus. Et en plus il est très joli, très girly. Ensuite, c'est quoi ça? iPhone, je sais pas, masque yeux, d'accord. Donc c'est celui de chez Sephora. Un coup de rouge, donc c'est celle de chez Estée Lauder. Donc les masques pour les yeux, elles coûtent 3,95€. Et le rouge à lèvres, 33,50€. Je trouve un peu cher quand même le rouge à lèvres. Et ensuite, donc il y a le carnet. Il y a la bague smartphone à 8€. Le selfie brush, il coûte 14€. Et le vernis, 9€. Donc voilà, vous avez quand même un peu le prix. Mais écoutez, je suis vraiment contente de ce marque, en fait, de cette marque, de cette box de ce mois-ci, voilà. Le seul bémol, je trouve, voilà, que c'est pas très intéressant, que personne n'a les mêmes produits. Donc voilà, effectivement, je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui ont les mêmes produits, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui est abonné, je suppose aussi. Mais bon, je trouve dommage qu'ils ne font pas en quelque sorte qu'on a les mêmes produits. Donc voilà, je trouve que c'est le seul bémol. Mais dans tous les cas, je suis vraiment hyper contente de ce produit. Donc je vais pouvoir essayer la masque yeux de ce Sephora. Là, je vais arriver à parler. Donc... peut-être quand je ferai la vidéo, ma routine, donc je vais l'essayer, je vais vous dire peut-être en même temps qu'est-ce que j'en pense, même si voilà, je vais l'utiliser qu'une fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes abonné vous aussi à la box, de me dire ce que vous en pensez, tout ça. Donc en tout cas, moi je suis très contente, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.